Voilà, Sunfall Interactive a tout simplement réalisé notre rêve de joueur. Ce jeu-là, Expédition 33, il a tout pour être un banger, hein, vraiment. Alors, il devrait tomber sur l'année de GTA 6, mais s'il n'est pas en frontal avec GTA 6, je pense qu'il a toutes ses chances vraiment de prendre le GOTY de l'année prochaine. C'est beau, ça a l'air frais, l'histoire a l'air intéressante, et en plus de ça, les gars, il y a une VF, c'est officiel. En plus, on a un super casting de voix FR. Bon, let's go, let's go. As-tu la moindre idée de ce que ça fait de disparaître à tout jamais? Ok, donc Leurs les tenues. souvenirs, La leurs baguette rêves, dans le dos. l'amour qu'ils se vouent C'est les des uns aux génies. autres. Attendez, je remets parce que j'ai tout gâché. J'ai tout gâché là à parler. As-tu la moindre idée de ce que ça fait de disparaître à tout jamais? Leurs souvenirs. Leurs rêves, l'amour qu'ils se vouent les uns aux autres. Nous existons et nous continuerons d'exister, aussi longtemps qu'elle le voudra. Tu ne peux pas encore comprendre. Ce n'est pas de la cruauté. Le plan n'a pas changé. On continue vers le nord. Direction le monolithe. Je refuse de laisser Maëlle mourir ici. Je fais des cauchemars. Pourquoi refuses-tu de voir que je fais tout ça pour nous? Il m'avait l'air familier, je crois. Puisse tout cela se décider sous leurs propres yeux, entre les barreaux de leur prison, dans l'ombre du monolithe. À bientôt. Dans une prochaine vie. Quel plaisir. Vraiment, quel plaisir. Bon, ils nous ont fait l'honneur de nous mettre des baguettes et des tenues bien franchouillardes. Je pense que c'est un peu du troll. Bon, ils ont prévu des skins apparemment dans le jeu. Ça, on le savait plus ou moins, vu qu'on avait vu déjà des tenues différentes. Mais ils ont prévu des tenues très françaises pour le coup. De les avoir mis dans ce trailer FR, je pense que c'est parce qu'ils ont dû entendre les critiques. Beaucoup de critiques sur le fait qu'il n'y avait pas de VF. Et je pense qu'ils en ont profité pour mettre les tenues dans ce trailer. Ce qui vient casser un peu la profondeur scénaristique, clairement. Mais c'est très très drôle, hein. C'est vraiment un coup de génie, je pense, d'avoir fait ça. Franchement, les petites baguettes. qui font office d'armes. Et on voit que c'est bien des armes, hein, parce que des fois on voit qu'ils ont leurs armes équipées, mais pas les baguettes. Donc je pense pas que ça fasse partie que de la tenue. Ah, quoique là, il y a la baguette et la tenue. Ok, donc ça doit être le set qui est comme ça, avec la baguette. Puis vous savez qu'à l'international, hein, la baguette c'est un peu un mème, hein, français égale baguette. Bref, juste génial. Je vois pas ce qui pourra arrêter ce jeu-là maintenant. Je lui trouve ici aucun défaut. On verra évidemment manette en main, hein. Seul le gameplay maintenant pourra créer la différence, en tout cas scénaristiquement parlant, visuellement parlant. Puis la petite VF là maintenant en prime. Allez, on est bien. Bravo le studio, vraiment. Félicitations. Merci d'avoir pensé aux Français. Pas tous les studios français pensent à nous et malheureusement, ça devrait être juste normal, hein, bien entendu. Mais vu que ça l'est pas, merci beaucoup de l'avoir fait. Et que dire de plus? J'ai hâte. J'ai juste hâte d'y jouer. N'hésitez pas à donner votre avis évidemment en commentaire sur tout ça. N'oubliez pas petit abonnement, petit pouce bleu, c'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao ciao!